Salut YouTube, nous voici sur une nouvelle VOD de Spiritfarer. Donc, j'ai coupé cette vidéo en deux. Donc, ça, c'est la partie 2. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Du papier. J'arrive, mon petit. C'est exactement comme du papier. C'est même assez cool. Oui. Ça ira. Donne-le-moi maintenant. Je te gage que je dessinais des plans sur ça. Eh bien, ça ira. J'ai les crayons dans ma maison. Il y en a plusieurs cachés sous les coussins du sofa. Merci, grand chapeau. Je vais commencer par dessiner le plus beau plan du monde. Les maisons les plus grosses et les plus belles. Peut-être qu'un jour je pourrai dessiner des bâtiments pour vrai. Ouais, un jour. Designer junior en architecture. On aura tout vu, un champignon architecte, quoi. Alors. Park Humberton. Donc on peut peut-être déjà commencer par essayer de savoir où est Humberton. Bah, il est là. Mon frère est en train de mourir. Par ici, on a besoin de nourriture. C'était pour il y a 30 minutes. Si tu décides de te casser, je te donne pas de bouffe. Te donner des ordres m'a rappelé le jour où moi-même je recevais des ordres. Je sais, moi. Si tu arrives à le croire, ça me rappelle mon ancien boulot. Mon frère n'aime pas que j'en parle trop souvent. Nous étions les hommes de main de Monsieur Carmino. On exécutait tous ses ordres. Toute demande était remplie et nous étions efficaces. On faisait toujours le travail. Personne ne pouvait nous arrêter, pas même la police. Si tu joues bien tes cartes, tu pourrais même te rendre à un niveau très bientôt, à notre niveau. Mais bah, pour l'instant, ce que je veux, c'est te donner de la bouffe. On prend ça. Eh, laisse-moi te dire quelque chose. Cette merde est bien trop simple. Un seul foutu ingrédient. Tu penses qu'on est qui? Stupide paysan. Des cons. Non mais en plus il faut que je lui donne de la bouffe. Tiens, popcorn. Ils sont pas sérieux. Bouffe gratuite, enfin. Ah bah c'est la dernière fois. Hein. Je te le dis, tu vas crever la dalle. Hein. On y est là, Humberton? Ah ouais, on y est. Hein. Ok. Donc là, on va voir pour la mission de Gustave. Et puis après. Après, on va voir. N'empêche, cette VOD, et on a fait quand même pas mal de choses. Donc c'est plutôt sympa. C'est rare qu'on avance aussi vite. Ok, là je vais pouvoir récupérer. J'ai un rendez-vous galant plus tard aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se rencontre en personne. Ça fait plusieurs jours que je stresse à propos de ça. Je pouvais plus attendre dans mon appartement. Alors je suis en avance de quelques heures. J'espère qu'on aura des goûts semblables. Ok. Voici ce qu'on va faire. Laisse-moi me pratiquer avec toi. Je vais commencer par dire des banalités. Quelque chose de normal, quelque chose de drôle, quelque chose d'extraordinaire. Comme, aimes-tu les frites? Non, c'est ennuyant. Bien sûr qu'il dira oui. Laisse-moi y penser. Pourquoi fais-tu ça? Tu n'as donc aucun respect pour tous les êtres vivants? Et je vais continuer. Parce que j'ai besoin de ressources. Hop là, des roses. Attends, mais ils ont pas repoussé? Ou j'ai plus le droit de les avoir? Ok.
Salut. Ok. C'est tout. Non, je ne fais rien, je suis seulement... Oh, attends, je te connais pas, qu'est-ce qu'il y a? Un menuisier, tu dis? Pourquoi? Oui. Bien sûr que c'est moi que tu cherches. Je fais seulement une balade en nature. Oui, j'aime la nature. Je remplis la batterie de ma créativité, si je puis dire. Alors, tu cherchais mon génie, je suppose. De quoi as-tu besoin? Un bureau de travail? Oh oui, fantastique. Bien sûr que je peux faire ça. Ok, c'est ta chance. Ne merde pas, respire. Alors, à propos de ça. Mes batteries créatives sont remplies, bien sûr. Mais toute cette nature et ma balade et cette contemplation, disons que ça a vité mes batteries physiques. Alors avant tout, avant même de penser à ta demande, eh bien j'aurais besoin de nourriture. Tu sais, un esprit dans un corps et tout. Et puis pour un artiste de mon calibre, pas n'importe quoi. J'ai besoin que tu m'apportes un exquis du surf and turf. Ouais, ça ira. Oh non, pourquoi j'ai choisi un repas si dispendieux? Si elle pensait que je ne le valais pas. Est-ce que je devrais changer d'avis? Non. Non, il est trop tard. Je ne peux plus... J'en peux plus des bleuets. Alors qu'est-ce que tu attends? Apporte-moi du surf and turf. Ou n'importe quoi. S'il te plaît, je meurs de faim. Et ensuite, on parlera à ta demande. Super. Surf and turf. Est-ce que... Prions pour que j'ai les ingrédients. Ah bah justement, à la bouffe, ouais. Ah, attends, je peux recette. C'était quoi le surf and turf? Ah, c'est ça. Crustacé plus du bœuf. Bah parfait. Donc crustacé. C'est quoi, c'est ça des crustacés? Comment on sait si c'est des crustacés? Genre ça, ça c'est gros crustacé, pas parfait. Ça, plus du bœuf. Ah ouais, par contre c'est long. Hein. On va couper les moutons. Hop, une belle coupe pour l'été. Hop là. Giovanni. Ok. Donc il faut que je lui donne du poulet rôti. Enfin du poulet frit. Je suis obligé d'attendre parce que c'est la... C'est la seule quête que j'ai. Palourde américaine. Quand on est passé en Amérique là, je suis pas au courant. Il y en a beaucoup par ici des pétoncles géants là. Ah ouais, ça a même pas fait la moitié. Ah si. Bon, on va attendre un peu. Cet effet qu'ils ont fait pour la cuisine, là, la chaleur, franchement, je verrais ça moi dans ma cuisine, j'aurais peur quand même. Allez, plus qu'une vingtaine de secondes.
Hop là, on récupère. J'en ai eu deux même. C'est parfait. Allez. Est-ce que mon surf est tough? Yes. Quoi, vraiment? En plein dans le mille? C'est le meilleur jour de ma vie. Enfin, je veux dire, oui, satisfaisant. Et maintenant, pour ta petite soumission, j'ai d'excellentes idées, des idées fantastiques, mais nous n'avons toujours pas parlé de mes honoraires. Maintenant, ils sont absolument non négociables. J'ai besoin de 450 000 lueurs. Et c'est mon prix, l'ami. Bah écoute, frérot, bah tu me rends le surf and turf et je te colle mon pied au cul. Hein. Pour un artiste de mon talent, n'importe quoi de plus bas serait un blasphème. Et puis, on se rapprochera à nouveau. Et tu verras à quel point je vais bien lorsque je suis seul. Et tu sauras que je ne suis pas seulement un loser paresseux, et tu tomberas en amour avec moi une nouvelle fois. Je ne peux pas croire que mon plan se déroule si bien, à moins que... Une dernière chose, mais pas la moindre. J'ai une règle stricte concernant ma vie personnelle et professionnelle. Sous aucune circonstance, tu ne dois parler à ma partenaire à Hawksbury de nos transactions. Tu comprends? Aucune circonstance. Donc on va aller à Hawksbury. Je crois que je peux pas y aller encore à Hawksbury. Si. C'est où Hawksbury? Ouais. Ah, c'est là. Et bah, c'est parti. À moins qu'il y avait un bus quelque part, pas loin. Ouais. Là-bas, il y a un bus aussi. Ouais. Bah, c'est parti. Ok. On est plutôt pas mal là. Hop là. On perd pas de temps. On en a déjà bien perdu. Surtout que je sais pas où la trouver en plus. Hein, ça, la fille qui voulait pas à qui je parle que je parle. On y est. C'était plutôt rapide. Ne t'approche pas de moi. Blablabla, blabla. Merde, j'ai 2 cm dans la poche, je n'arrive pas à les joindre. Ils sont tout au fond. Je peux les entendre rigoler, se rentrer l'un dans l'autre. Je peux vous entendre, sale sou. Silence! Tu les entends? Qu'est-ce que tu crois qu'ils disent? Peut-être qu'ils rient de ma chemise. J'aime bien ma chemise. J'ai besoin de paix et de silence. Je ne veux pas que ma monnaie me manque de respect. Salut. Est-ce que cette journée pourrait être encore plus longue? Non, c'est juste impossible. À bientôt. Salut, ami. Il faisait chaud hier, il a fait chaud aujourd'hui, ma peau est recouverte de sueur. Je sais ce qui se passe là-bas, tu sais ce qu'ils peuvent contrôler la météo, mais tu sais qu'ils ne peuvent pas contrôler. Moi, je crois que je vais prendre un bain. Super. Elle est fraîchement, nanana. En route vers une meilleure journée. Mon frère perd à la boule. Faut que je lui trouve un... C'est un truc de fou.
Ah, elle est de l'autre côté. Tu l'as trouvé? Quoi? Combien? 450 000? Sérieusement, c'est n'importe quoi. C'est bien plus que les charges normales. Ou a-t-il même trouvé ce... Bon, oh, je comprends maintenant. L'appartement attenant au mien est sur le marché en ce moment. On demande 450 000 lueurs non négociables. Très subtil, mon gars. Et aussi très dérangeant. C'est quoi? Je ne peux pas le laisser à lui-même. Il est si désespéré. Ça fait seulement 3 jours et l'escroque déjà d'innocents passants. En plus, je pensais déjà le laisser emménager chez moi. J'ai seulement voulu lui donner une bonne leçon. Dis-lui qu'il peut le revenir, d'accord? Mais assure-toi qu'il comprend, à partir de maintenant, il doit aider aux tâches ménagères. Je ne peux pas tout faire pour lui. Je ne suis pas sa mère. Parfait, parfait. Yahoo! Retour au bus. Il est là, mon ami. Hâte de m'appeler gamine, toi, là. Je suis pas ta pote. Ils me prennent de haut là avec le petit oiseau et le taureau là. Je déteste les gens comme ça. Ils se prennent trop pas pour de la merde. Il y a pas de... Ils sont pas humbles quoi. Ils cherchent pas à... ils disent ouais on est bon, on est bon, on est bon. C'est le genre de gens qui comparent qui a la plus grosse quoi en fait, hein, principalement. Rapide. Tu m'as parlé? Elle a dit qu'elle allait me reprendre. Incroyable. Plus besoin de dormir dans le parc. Plus besoin de survivre à ce qu'il reste dans les poubelles. De retour à ma vie rêvée, du divertissement et de la bonne nourriture toute la journée. Merci, merci beaucoup. En signe de mon appréciation, je vais même faire fi de mes horaires. Et voilà, voici le design final. Regarde ces courbes. Regarde l'emboîtement parfait des matériaux. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Bureau vintage. Ok. Mince. Ok. Va sûrement falloir que je parle à Auguste. Augustus de Montargis. Mais pour l'instant, le timing est parfait. Je vais essayer d'aller voir pour les poules, voir comment ça se passe. Mais d'abord, on sonne la cloche! C'est parti. Hop. Ah, j'ai une poule! Il y a une poupoule! Je peux pas la... Bah, comment on fait? En dessous, c'est quoi? Je sais pas quoi mettre moi. Les graines de maïs. C'est du... Non, c'est pas des graines de blé qu'il faut leur donner.
Elles peuvent mourir, les poules? Je comprends rien. Peut-être que je vais tomber sur un fermier dans les prochains personnages. Je suis affamé. Fais ta diva. Ouais. Tiens. Faut que je parle à Giovanni. Il va encore être tout en haut là. Parlez. Oh, je ne comprends pas. Les choses allaient si bien. Je ne mérite pas d'être traité de cette façon. Ton Astrid, elle a tellement mauvais caractère. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? M'en aller, j'imagine. Mais où? Par là? Près de l'atelier d'Atul? Non, trop frais. Jusqu'au chalet d'Alice? Non, ça ne le fera pas. D'accord, je vais y réfléchir. Plus, bambina. Tiens, ma belle. Ne sois pas fâché contre moi, Pitchounette. J'ai pêché un peu quand tu ne regardais pas. Ah bah ouais, ouais non, je suis plutôt contente. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bah y'a rien. Ah ok, faut attendre qu'Astrid ouais, casseur. Améliore la galerie, donc comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, lingot d'argent, fil de soie. Bon, déjà c'est mort. J'ai pas de fil de soie, donc il peut abandonner. Bon, eh bien, on va pas attendre pour attendre pour l'instant. Donc, je finis cette VOD là-dessus. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. C'était une longue session sur. Sur Spiritfarer, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je m'amuse, j'essaie de faire des trucs à droite, à gauche. Bon, je me rends pas compte si c'est vraiment amusant pour vous, ou si vous regardez ça juste d'un coin de l'œil, la vidéo pendant que vous faites autre chose ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous remercie vraiment énormément de suivre ce let's play. C'est un soutien très fort que vous le regardiez. J'aime bien jouer et je partage mon jeu pour que ça puisse divertir les autres. Donc, si ça l'a fait pour vous, je suis extrêmement content. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine, les amis. Salut.